C'était Salif Keïta, le petit tonton. Bonjour les Poubachari, j'espère que vous allez bien. Taguez-moi la coach à mon chic sur ce direct. Voilà, demandez à la coach à mon chic, oui, la KLMP. C'est elle-même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui, la coach number one. D'après elle-même, il aime me présenter, sinon c'est que ça n'a pas de sens. Oui, je suis la coach caviar. C'est elle-même qui sent là, dans la paix du Seigneur. La coach caviar, la coach à mon chic, la coach, voilà, hein, indétrônable. La coach, l'indétrônable, voilà, dans la paix du Seigneur. Voilà, taguez-la moi sur ce live. Voilà, j'ai mis la coach, j'ai mis coach à mon chic, prends ton tabouret. Coach à mon chic, prends ton tabouret dans la paix du Seigneur. Et puis viens m'écouter un peu ici. Voilà. Je vois un peu des gens, enfin je vois un peu sur la toile, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas, le respect. Il y a des gens sur la toile là, ils sont capables de réveiller un mort. Ils sont capables de faire parler un muet. Oui. Ils sont capables de faire parler un muet. Voilà. Ils sont sur la toile, ils poussent les gens à bout. Ils te poussent à bout. Entre nous sommes des êtres humains. Voilà, nous sommes des êtres humains. À un moment donné, quand c'est de trop, tu sors les dents pour montrer aussi que tu es là. C'est important. On dit quand tu danses, quand tu es sur une piste de danse avec un aveugle, voilà, l'aveugle se croit seul sur la piste de danse. Il danse n'importe comment, il danse en désordre. Il faut le piétiner un coup. Comme ça, il se rend compte que
Il n'est pas seul sur la piste. Il faut qu'il se range pour danser. Voilà. Cette coach-là même, hein, les mots m'échappent. Hein. Cette coach-là même qui est dans le respect d'autrui, qui respecte tous ses abonnés, qui ne fait pas de discrimination, qui prend tout le monde sans trier, qui quand elle est en live, malgré qu'il y a des milliers de personnes, les gens la critiquent toujours. Les gens disent toujours qu'elle enseigne n'importe quoi. Les gens disent toujours qu'elle n'a pas d'expérience. Les gens racontent si chacun dit pour lui, chacun dit vague quoi. Mais dès qu'elle allume sa caméra, bah, c'est des milliers de personnes qui sont là. Ils viennent écouter son manque d'expérience. Ils viennent écouter son manque de connaissances et ils se sentent bien là-dedans. Ils se sentent bien avec elle. Ils l'accompagnent dans ses lives du début à la fin. Hein? Je vois des petits minables, des petits nabots bleus, des petits plaisantins, des petits pisseurs, oui, les dormeurs dans le salon des tontons, oui, des gens sans salaire, des assoiffés de vue, des gens voilà, qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, qui sont des poissards, hein, nés, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec la poisse incontestable, pour ne pas dire, je sais pas, les mots me manquent, des incongrus, c'est-à-dire ils sont là, ils sont sur la toile, ils veulent forcément, hein, c'est-à-dire que la moindre, c'est-à-dire que tout, tu peux rendre service aux gens pendant 40 ans, et puis une seule fois, quand tu as déraillé un peu seulement, ou bien tu as montré tes dents nettes, c'est ce qu'ils retiennent. Cette coach-là même qui respecte tout le monde, que les gens piétinent, les gens provoquent dans tous les sens. Mais elle est égale à elle-même. Elle est dans son mood. Oui, elle aime préparer ses sauces avec ses animaux dedans. Quand elle finit de manger loup, sauce, graines, elle fout tout. Elle s'en fait semblant de sport sur sa terrasse derrière là-bas, dans les fleurs là-bas. Hein? Elle finit de manger sauce, graines, elle fout tout. Elle tout saute avec les animaux dedans. Quand elle est rassasiée, elle se rappelle qu'elle doit faire un peu de sport. Elle s'en met, se met en maillot, elle plaque son ventre avec chose, avec sauce graine, avec tout ce d'hérisson dedans. Et puis elle s'en va derrière là-bas pour aller faire son sport dans la paix du Seigneur. Tout ça là, ça vous dérange. Hein? Vous emmerdez la dame pour rien. Vous l'emmerdez pourquoi? Quand les petits, vous ne savez pas éduquer vos enfants en Europe ici. Les enfants mal élevés d'Europe là. Les enfants dont les parents n'ont pas d'autorité sur eux, là, qui parlent mal à leurs parents à la maison. Vous croyez que c'est partout? Les enfants en Europe ici, là, les parents n'ont aucune autorité sur leurs enfants. Ils sont mal élevés, ils sortent avec ça partout. Vous pensez que c'est partout? Vous pensez que c'est sur tout le monde, c'est avec tout le monde que ça passe? Non, mais attends. Faut pas j'entendre que oui, elle dit qu'elle est coach, donc c'est mamie, donc c'est l'auto. Elle devrait lui poser une question de savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Qui es-tu même pour venir lui demander ce qu'elle fait dans la vie? Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te foutre ce qu'elle fait dans la vie? Déjà, même en tant que qui même tu appelles dans son live et puis tu lui demandes déjà même avec le. C'est-à-dire que, je sais pas, le ton même avec lequel tu parles à une grande personne, quand on entend t'avancer que tu es une minette, tu es une petite fille effrontée dont les parents ne peuvent pas dire la vérité, que les parents ont mal éduqué, tu as appelé quelqu'un dans son, une grande personne qui peut être ta maman. Tu l'appelles dans son live et tu lui dis que tu veux lui poser une question sur elle-même, sa vie. Elle te demande, oui, vas-y, je t'écoute. Que oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà, elle te demande, qu'est-ce que ça l'a choqué. Une petite fille comme ça qui appelle, elle ne va pas dire, oui, bonjour, la coach, vraiment, je vous admire beaucoup, j'aime bien ce que vous faites, et voilà, vraiment. Non, hein. Quand tu vas dire que tu veux lui poser une question sur sa vie, dans sa vie. Maintenant, forcément que ça a changé son humeur. Forcément, ça va changer son. Et puis en plus, elle pose la question, pourquoi tu changes d'humeur déjà? Pourquoi tu changes d'humeur déjà? En tant que qui, tu lui poses cette question? Avec un ton arrogant. Pourquoi tu changes d'humeur déjà? Mais c'est insultant. C'est insultant par rapport à quoi? Toi, tu vas me demander pourquoi je change d'humeur. Ta question mal posée là peut faire changer d'humeur à quelqu'un. Quand on entend même la voix de la petite peste, la petite gougandine, comme le dirait la coach elle-même, en train de poser question à quelqu'un qui peut être ta maman. Tracy, là, peut être, vous avez même âge, tu as même âge, Tracy. Et c'est Tracy, ça va poser question à ta maman, c'est qu'elle fait dans la vie. For diet menu. Que oui, faut pas, la coach ne devrait pas répondre comme ça. Elle a répondu comme ça, pian.
Elle-même, elle allait doucement. Si c'est moi, j'allais courir avec le bien, que j'allais prendre les poils du pubis de ta mère, associer ça aux poils du cul de ton père, et puis faire natter tresser avec. Ça allait t'apprendre à t'adresser aux grandes personnes dehors. Quand vos parents vous éduquent mal chez vous là-bas, là, ça n'a qu'à rester à la maison. Tu vas venir t'adresser à la maman de quelqu'un en plein live devant tout le monde. On te répond et puis on dit que non, elle devrait, c'est une coach, elle devrait pas répondre comme ça. C'est mamie, c'est l'auto, c'est fiancé, c'est nirprenirukou. Vous vous foutez de la gueule de qui? Non mais vous vous foutez de la gueule. Comme vous éduquez mal vos enfants, vous concevez ça quoi. Quand vos enfants n'ont pas reçu d'éducation là, pour vous c'est normal. C'est en Europe ici, l'enfant dit à sa maman, ferme ta gueule et puis ça chauffe pas, c'est normal. Ou bien, aucun respect pour une dame. Elle lui ramène l'ascenseur et puis vous êtes choqué. Apprenez à éduquer vos enfants. Un enfant qui est bien éduqué là, monte pas sur un live déjà. Un enfant qui a reçu une éducation là, peut pas se permettre même d'appeler sur un live. En tant que tu appelles sur un live, pourquoi? Live où on parle de caleçon. Toi, le petit fille, quoi, tu cherches quoi là? Comme la coach, elle est humble, elle prend tout le monde sur ses lives. Elle ne fait pas de discrimination, elle ne trie pas les gens qu'elle prend. Donc, quelqu'un qui appelle, elle prend. Mais si tu es une petite fille, tu dis bonjour maman, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, tu es toute belle aujourd'hui. Et vraiment, voilà, c'était pour te faire un bisou. Et puis tu descends gentiment. Idiote née, une idiotrine comme ça, tu vas venir poser question sur sa vie. Elle te lime là où ça fait mal. Et puis les gens sont fixes que parce que non, c'est une coach, elle ne devrait pas répondre comme ça. Il dit qu'elle allait doucement, elle la petite là. Si c'était moi là. Si c'était moi là. J'allais prendre les poils, j'allais épiler les poils de sa mère, les poils blancs du pubis de sa mère là. J'allais épiler ça un à un maintenant, dans le live là. Comme ça, chacun allait se coucher par terre pour mourir. Vous vous foutez de la gueule les gens. Éduquez vos enfants. Hein. Éduquez. Nous, on n'est pas là pour éduquer vos enfants à votre place. Chaque parent doit faire l'effort. Quand vous êtes en train de mougou pour faire vos enfants, on n'était pas là-bas. Hein. Quand vous êtes en train de prendre plaisir pour faire vos enfants, là, il n'y a personne au milieu de vous. Donc prenez vos responsabilités et puis éduquez vos enfants. S'ils ont l'habitude de vous parler mal chez vous, là-bas, ça n'a qu'à rester entre vos quatre murs. Et s'ils sortent ça, là, on va les allumer dans la paix du Seigneur. Et puis ça ne va pas chauffer. S'ils sortent avec leur manque d'éducation, leur impolitesse notoire, là, on va les allumer propre. C'est de ça qu'il s'agit. Carrément que la coach a mal fait, hein. Elle ne devrait pas répondre comme ça. On lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Tu ne sais pas que le coaching, c'est un travail. Tu sais le nombre de personnes qui appellent pour expliquer leurs problèmes, hein, auxquels elle doit réfléchir pour trouver des solutions. Tu ne sais pas que c'est un travail même à plein temps. Tu ne sais pas ça? Les gens qui prennent coaching en inbox, là, tu connais le travail qu'elle fait en cachette là-bas? Quand elle finit de faire ça, elle a tellement mal à la tête qu'elle jette ma mie sur le feu là-bas. Elle commence à jeter ses crabes, ses clous, ses poissons, ses viandes dedans. Elle commence à cuisiner quelque chose là-bas pour s'asseoir par terre devant son frigo dans sa cuisine pour manger. Tellement qu'ils ont surchargé sa tête avec les problèmes. Moi, même, je ne suis pas coach. Là, déjà, le nombre de personnes qui m'appellent ici pour régler leurs problèmes. Même aujourd'hui, j'ai viré deux. Même aujourd'hui, là, j'ai viré deux. J'ai dit, allez-y, vous faites foutre vos problèmes. Vous avez trop de problèmes, fatiguez les gens. Il y a mes problèmes aussi, c'est moi, je viens vous expliquer. Hey, c'est vous seulement qui avez un problème dans le monde là quoi, Mungela. Il y a un mec qui m'appelle que lui il a trop de problèmes. Il faut que moi je l'aide. Je vais lui donner le numéro de Guillaume Vergès et que lui veut parler à Guillaume Vergès en urgence, que lui sa vie est en danger. Il dit bon, quand ta vie est en danger là, la police n'est pas là. Quand ta vie est en danger, tu vas pas à la police, tu vas pas à la gendarmerie, c'est journaliste toi tu cherches. Est-ce que tu es sûr que ta vie est en danger? Quand on a sa vie en danger là, on se réfère aux forces de l'ordre. On se réfère pas aux journalistes. Guillaume Vergès n'est pas policier. Il n'est pas militaire. Donc tu n'as pas appelé le bon numéro. Là, tu m'appelles d'un numéro WhatsApp de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune photo sur le numéro WhatsApp. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu me demandes le numéro de Guillaume Vergès. Il sait si c'est un guet-apens, tu veux lui tendre toi-même. Tu appelles, tu dis que ta vie est en danger. Mais quand ça, on a sa vie en danger, là, on s'en va à la police. On s'en va à la gendarmerie, mais en tout cas, on s'en va là où il faut, on s'en va chez les choses. On s'en va où il faut. Guillaume Vergès peut changer quoi dans ça? Hein? Je me dis, moi, mais je ne suis pas coach, les gens me saoulent. J'imagine même elle qui est coach là. Les gens ont des problèmes. Combien de fois les filles m'ont appelé, pleurent à chaudes larmes, que j'ai dû consoler en inbox pendant des heures. Elles peuvent t'appeler une semaine sur. C'est-à-dire qu'elles t'appellent, c'est quand elles ont gommé là, il faut laisser. Quand elle s'est douante, elle et puis leur mari là-bas, là, tu n'es pas là. Hein?
On te cite pas là-bas. Une fois que Goumé commence d'être là, c'est là, cherche nos numéros. Sinon, non, comme tu as de bons conseils, vraiment, je voulais t'expliquer mon problème. Vraiment, j'ai croisé un gars, ça fait tel nombre d'années, on est ensemble. Maintenant, c'est mamie, c'est l'auto. Et il commence à faire bizarre, et patati, et tralala. Elles vont expliquer. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Mais comme ça, tu vois que la personne est peinée, tu prends ton temps, tu écoutes. Et tu lui donnes tes conseils. Conseil même que tu lui donnes là, ça ne l'arrange pas, hein, parce que ouais, elle est gamée déjà. Mais elle t'appelle quand même. Ce qu'elle a dans son cœur là, c'est qu'elle va faire. Mais elle vient tirer ta bouche. Elle vient te saouler. Elle vient prendre ton temps. Elle vient sécher ta gorge. Te faire parler quand tu as mal à la tête. Elle va te rappeler le lendemain pour t'expliquer encore une histoire qui n'a rien à voir avec celle de la veille. Elle va te rappeler le surlendemain pour t'expliquer encore une autre histoire. C'est-à-dire que quand elle vient là, elle n'explique pas au début. C'est-à-dire qu'elle n'a pas raison. Hein. Mais comme elle va te dire qu'elle n'a pas raison, c'est-à-dire qu'elle a créé ce froid entre elle et puis son gars là. Elle va passer par 3000 chemins. Aujourd'hui, elle dit un peu. Demain, elle dit encore un autre. Après, demain, elle dit l'autre. C'est-à-dire qu'au final, tu vas te rendre compte que c'est elle-même qui a créé cette zizanie-là. La zizanie entre elle et puis son gars. Hein? Ils viennent nous saouler. Tu sais pas que le coaching, c'est un travail? Pour expliquer, on va t'expliquer. Il faut avoir l'oreille attentive. Pour écouter très bien ce qu'on va te dire pour pouvoir donner les conseils adéquats. Non, hein, toi, une petite impolie comme ça, parce que tu ne respectes pas tes parents à la maison, tu vas te permettre d'appeler, celui-là, il faut manquer de respect à la maman d'autrui. Elle t'a raté. Petite cervelée. Rappelle demain encore pour demander. Puis elle dit, aïe. La route à mon jeu, elle dit que non. Elle dit, elle fait quoi la même? Qu'elle travaille les poils de ta maman et puis les intestins infectés de ton papa, là. Et ça, elle prend, et puis elle extrait les virus tous les jours dedans. C'est bon? La réponse là, c'était au bon niveau. Regardez-moi ça. Et puis, voilà, les gens, ils sont fâchés. Non, c'est une coach. Les gens veulent prendre sa place. Tellement vous voulez forcément la descendre. Tellement vous voulez. Elle vous énerve sur la toile là parce qu'elle a trop d'audience. Ça vous dérange. Ton audience ne diminue jamais. Ça vous fatigue. Mais c'est Dieu donné. Vous avez, pour venir sur la toile, pour venir s'exprimer comme ça devant du monde là, il faut avoir un aura. C'est-à-dire que faut être éloquent. Il y a ton éloquence qui parle et puis il y a aussi ton aura. Si tu ne plais pas aux gens, si tu es un poisson ou bien une poissade née là, tu montes, tu descends, ça ne prend pas. Non. Il y a des gens même quand ils allument les caméras là, ils viennent chanter seulement. Et puis il y a au moins 1000 personnes qui les regardent. Au moins 1000 personnes. Déjà, du moment où 1000 personnes te regardent dans un live déjà, il faut te dire que tu es une personne que les gens aiment. Tu viens chanter, tu viens rien dire de bon et puis les gens viennent te regarder. Les gens viennent t'écouter. C'est ton aura qui fait ça. C'est ton éloquence, les gens aiment te regarder. Tu as quelque chose que les gens aiment en fait. Et si toi tu n'as pas ça, tu veux forcément devenir blogueur ou bien influenceur ou bien personnage public. Tu montes, tu descends, tu fais les roucascas, tu viens te mélanger à ceux qui sont connus. Tu fais, tu pisses, tu chies, tu fais tout ce que tu veux, rien, zéro, nada. Hey, faut cliquer sur quitter. Retourne au village, va faire, comment on appelle ça, va à Nakokotere. Il faut aller surveiller les bœufs là-bas. Il faut aller faire l'élevage de bœufs à Anakokotere. Ça va peut-être te réussir. C'est quoi? Fatiguer les gens pour rien là. Hein? Quand il est en direct, il y a du monde. Donc ça vous énerve. Vous vous demandez quand est-ce que ce volume là va baisser. Mais ça ne peut pas baisser. C'est pour elle. Dieu lui a donné ça. Vous ne pouvez rien changer en ça. Ce que Dieu a donné à quelqu'un, la personne ne peut lui arracher. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Et puis battez-vous pour avoir pour vous. Au lieu de vous battre pour éteindre quelqu'un là, battez-vous aussi pour être à la lumière. Au lieu de vous battre pour éteindre quelqu'un, le noir sait que se battre pour éteindre. Il ne s'est jamais aidé à s'élever. Hein. Tu as te décacasser pour te débrouiller pour arriver à un sommet toi seul. Mais quand on doit t'éteindre, là, c'est en groupe, les gens vont venir t'éteindre. Comme s'ils étaient là quand tu étais en train de te battre pour devenir quelqu'un. Hein? Comme s'ils étaient là quand tu te battais pour devenir quelqu'un. Tu te bats toi seul, il n'y a personne. Oh, s'il faut charger mon téléphone, c'est quoi? Je n'aime pas les trucs comme ça. Mais quand ils doivent te descendre là, ils n'ont pas été avec toi pour te mettre au sommet, mais ils vont se mettre en groupe pour te descendre. Parce que ta gloire les dérange. Mais vous ne savez pas que ce que Dieu a béni là, rien ne peut maudit. Vous ne savez pas ça. Quand Dieu bénit quelqu'un là, si tu veux, faut enlever ton kojo plein de jus de cul. Tu limes ça par terre au nom de la personne. Ça va se retourner contre toi-même dans la paix du Seigneur. Celui qui maudit là, la malédiction se retourne. C'est une personne maudite qui peut maudire son semblable. Quand tu es maudit, tu maudis ton semblable. C'est-à-dire que quand tu es l'incarnation même de la malédiction, là, c'est là que tu as la facilité de maudire les autres.
Sinon, quand une personne bénit, elle n'a même pas le temps de penser à la malédiction. Parce que Dieu lui a tout donné, elle est heureuse. Elle est bénie, quoi. Elle est heureuse dans sa vie, elle n'est pas aigrie. Elle n'est pas haineuse. Elle est en paix. Elle vit sa life. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Voilà la pauvre dame qui est là. Ils ont passé son image à l'émission d'Emmanuel Keïta là-bas. De toute façon, Emmanuel Keïta l'a descendu là. Si c'est elle qui avait fait ça là, vous allez la charger comme c'est pas la peine. Mais pour Emmanuel Keïta, vous allez trouver que c'est normal. Non? De toute façon, Emmanuel Keïta l'a descendu à son émission là. Si c'était elle qui avait fait ça là, vous allez la charger comme c'est pas la peine. Vous allez charger son affaire. Vous allez faire comme si elle a tué quelqu'un. Vous allez la partager dans tous les groupes. Vous allez la. Vous allez faire comme si. Non. Elle n'allait pas respirer. Elle n'allait pas respirer. Vous allez la taguer partout. Commencer à faire des caricatures de sa vie, de ses enfants, de son mari. Vous allez la déposer partout comme ce n'est pas la peine. Mais comme c'est, voilà, comme selon vous, c'est l'autre qui a fait là, ça c'est normal. Ou bien, mettez les cœurs. Il ne voit pas les cœurs, pourquoi? Vous voulez forcément descendre là-dedans, mais vous avez fait quoi? Laissez-la tranquille. Hein. Foutez-lui la paix. Sinon, vous allez m'énerver. Foutez-lui la paix, laissez-la tranquille. Sinon, il vous a allumé un à un dans la paix du Seigneur. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je n'ai pas peur de vous une seconde. Donc, foutez-lui la paix. Laissez-la vivre sa vie, elle a le droit de porter ses petites culottes avec beaucoup de V dedans. Si elle veut la même là, elle s'en fait V encore et puis elle vient col dessus. Voilà. Elle veut qu'elle est dessus la même, ça ne suffit pas. Si elle veut là, elle s'en fait V. Et puis V est devant, V est derrière. Et puis c'est elle qui porte et puis ça va à elle. Quelqu'un a porté son string, ça passe entre ses fesses, toi tu es gêné à sa place. Où est ton problème? Drekemitikana. Laissez la dame en paix. C'est quoi? Une petite insolente comme ça monte pour manquer de respect à la maman des gens. Vous ne voyez pas le côté où c'est la maman de quelqu'un. Hein? C'est le côté où il y a les coachs. On lui a posé des questions. Elle est qui pour venir poser des questions à la maman des gens? Elle est qui? Elle est fou quoi sur direct? Direct où on parle de crucibord. Elle fout quoi là-bas? Une petite impolie. Quand tu entends sa maman, tu sais que c'est une petite fille qui a peut-être même âge à être ici. Tu peux dire que c'est une petite fille qui a même âge à être ici. Celle qui a monté en plein live et puis elle demande à la coach, déjà pourquoi tu changes d'humeur déjà? En tant que qui? Avec un air au teint. Il dit c'est moi là, elle met toutoum. C'est-à-dire qu'elle allait sentir ça dans son corps. Impolie, insolente, mal élevée, mal éduquée. Éduquez vos enfants en Europe ici, hein. Vous n'avez pas le droit de taper vos enfants. Il faut que quelqu'un. Nous, on nous a frappés. On nous a chicotés. C'est pour ça qu'on est droit comme ça, là. On ne cherche pas à faire. C'est pour ça qu'on est tranquille dans notre coin. On nous a chicoté copieusement. Tu dérailles, on te chicote bien. Allez, je vais te dire, ta maman même vient se plaindre, elle prend un coup de chicote, elle prend balle perdue. Aïe! Ta maman même vient, elle n'est pas connue, si elle ne fait pas attention, elle va chicoter, elle va prendre sa part dedans. On nous a corrigé comme ils se devaient dans la paix du Seigneur. Voilà ce que ça fait de nous aujourd'hui. On est venu des gens bien, tranquilles. On ne cherche pas pour eux parce que tout ça, ça fait partie de l'éducation. Quand tu te comportes mal, on te met ou pas. Ou bien, les petites filles sont là, elles sont insolentes, impolies. Quand elles te dépassent dans Paris, là, tu les vois, elles rouges à lèvres, elles font de teint. Mais leur odeur, tu ne peux pas. Elles sentent comme ça. Elles se lavent, elles ne veulent pas se laver. Elles se battent. Quand leurs parents leur disent d'aller se laver là, elles rentrent dans la douche, elles ouvrent le robinet là-bas. Tu entends juste l'eau verser. Mais ça verse où? Ça verse sur qui? Ça verse sur quoi? Ça verse quoi? C'est pas sur elles en tout cas. Elles vont prendre un peu comme ça, la verser sur leur visage. Sortir, elles servent. Les gens, elles se sont lavées. Elles n'aiment pas se laver. Noko, Kabadigan, derrière, qu'elle fait. Non, tu ne crois pas que c'est l'odeur de femme qui est là. Elles montent dans le bus, elles te dépassent là. Tu ne crois pas. Tu te retournes pour regarder ce qui est passé. Même Pépé le sconce, je ne sens pas mauvais comme ça. Elles sont là, elles sont impolies, personne, on ne peut rien leur dire. Elles sont insolentes comme ça. Tu n'as pas même limite, elles veulent te frapper. Insolentes, aucune éducation. Tu as monté sur une live pour venir poser question à maman des gens, oui. Déjà, tu changes d'humeur pourquoi déjà? Tu changes d'humeur pourquoi? Mais ta question donne envie de te gifler. Ta question là. Ça donne envie de te gifler et puis gratter en même temps. C'est-à-dire que gifler, gratter.
Aïe! Je vois les gens sont en train de se plaindre. Je dis, mais si les gens là, même, aussi au Congo, Kakenewa. Est-ce que je sais pas, ou bien c'est moi, ou bien c'est moi, je suis pas normal. Bah, je comprends pas. Une petite fille comme ça monte dans le live d'une grande personne, elle lui manque de respect vis-à-vis. On lui ramène l'ascenseur, vous dites non que c'est le coach. Elle ne devrait pas parler comme ça, elle devrait parler comment? Elle devrait la caresser dans le sens du poil, elle devrait faire quoi? C'est parce qu'elle-même là, elle est trop humble. C'est parce qu'elle prend tout et n'importe qui. N'importe qui monte dans ses lives. Comme ça, n'importe quoi va venir se moucher sur elle. Si tu l'entends normal parmi nous tous là, elle devrait être la plus arrogante. Elle devrait être la plus guindée. Elle devrait être la plus insolente. Et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'elle a les vues qu'il faut. Elle a la notoriété qu'il faut. Elle a les petits contrats qui lui vont dans la paix du Seigneur. Elle a son chez elle dans la paix du Seigneur. Elle a avec son mari et ses enfants une belle petite vie tranquille. No stress, no blabla. Elle n'est pas dans la fête de c'est mamie, c'est l'auto. Elle peut être impolie. Et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'elle peut dire qu'elle a réussi sa vie. C'est la vie qu'elle vit là. C'est que beaucoup de personnes le recherchent. Elle est chez elle dans la paix du Seigneur. Elle ne vit pas chez les voisins. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a son mari, elle a ses enfants, elle est heureuse. Elle a sa jolie petite voiture qui lui plaît. Elle dit qu'elle a sa petite vie quoi. Elle a ses jolies petites culottes en V. Et si elle surcharge des Maco, c'est son argent qui paye. Elle ne prête pas l'argent des gains pour porter Mac. Hein? Elle ne prend pas les sacs vides, sacs de Mac vides pour déposer autour des voitures des gens. Elle ne fait pas ça. Quand elle dépose sac de Mac là, c'est à côté d'elle-même sa voiture Range Rover qu'elle n'a pas prêtée avec le voisin. Et les sacs là sont pleins de Mac qu'elle a acheté. Elle ne prend pas Mac, sac de Mac vide. Et puis les sacs même de Mac, c'est-à-dire que la Mac même a changé, hein, a changé le format, la couleur et le design de son sac. Hein. On prend les anciens sacs qui n'existent plus chez la Mac là. On les prend beaucoup, on vient vide, on les dépose autour d'une Range Rover qui ne nous appartient pas. Et puis on s'assoit, on se donne un genre. For diet menu. Foutez la paix à cette coach là. D'accord? Vous n'êtes même pas au même pied d'égalité. Vous n'êtes même pas au même pied d'égalité. Ce n'est pas de sa faute si vous êtes des anciennes gloires. Si vous avez raté votre. Faut dire que votre temps de gloire est passé. Ce n'est pas de sa faute. Foutez-lui la paix. Elle vit avec ce qu'elle a. Elle vit avec ce que. Elle vit selon ses moyens. Voilà. Elle porte ce qu'elle veut. Si elle veut là, elle n'a qu'à mettre chapeau Gucci. Elle n'a qu'à mettre t-shirt Chanel. Elle n'a qu'à mettre soutien Louis Vuitton. Elle n'a qu'à mettre string, Balmain. Elle n'a qu'à mettre pantalon Louboutin. Elle n'a qu'à mettre chaussures ballerines. C'est son agent qui a payé. Elle porte ce qu'elle veut. Où elle veut. Quand elle veut. Comme elle veut. Elle fait ses sauces. Elle met ses animaux. Si elle veut, elle n'a qu'à mettre tête de crocodile dedans. Si elle veut, elle n'a qu'à mettre pin de lion dedans. Si elle veut, elle n'a qu'à mettre anus de babouin dedans. C'est son argent qui paye. Elle mange selon ce qu'elle a envie. Foutez-lui la paix. Une petite insolente montre pour lui manquer de respect. Elle allume. Et puis elle allume ses parents dans la paix du Seigneur. Parce qu'elle est la maman de quelqu'un. La petite fille, la paix, avoir l'âge de sa fille. La petite fille, là, peut-être même que son fils même est plus âgé que la petite fille. Là. Vous êtes un poli en France ici, et puis on peut pas vous parler. Tu montes, tu parles à la dame avec un aide impoli, mais ça va la remonter. Elle n'attend pas les petites filles sur son live. Hein. C'est de grandes personnes qu'elle attend pour venir expliquer ses histoires. Ce n'est pas des petites insolentes. D'accord? Si tu es impoli, que tu ne fais pas tes parents, tu restes avec ça chez tes parents là-bas. Tu ne sors pas avec ça, sinon tu vas trouver plein d'impolis sur la route. Là, tu veux beaucoup d'impolis sur la route qui t'attendent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois les lives passer par là, la coach, les gens même prennent les boubous là. Et puis je vois dans les commentaires, les gens l'insultent. Mais vous êtes bête ou bien? Apprenez à réfléchir. Ou bien votre misère morale, votre précarité vous empêche de réfléchir. Ça empêche vos neurones là de fonctionner correctement. Sachez lire entre les lignes. Sachez raisonner logiquement parfois. Ça ne va rien vous enlever. Raisonner logiquement parfois, ça ne va rien vous enlever. C'est quelle méchanceté ça. Vous êtes méchant. Quand quelqu'un a un peu de visibilité, ça vous énerve. Vous voulez forcément éteindre la personne. Vous êtes tellement méchant que c'est écœurant en même temps. Quand vous avez des problèmes, là, vous savez rentrer dans la ligne, vous pouvez demander l'argent. Non? Hein? Quand vous avez vos problèmes dans vos familles là-bas, là, vous rentrez dans nos inbox pour commander l'argent. En ce moment, vous savez qu'on est bien. Mais quand il y a un souci, là, vous êtes les premiers à nous descendre sur les pages, à nous insulter. Pourquoi? Hein? Attends. Attendez, vous répondez à qui lui-même?
C'est qui ça? Est-ce qu'il a dit ton nom? Si elle dit ton nom là, mais c'est que tu vis. Si elle dit ton nom là, c'est que tu as des sentiments bloqués où tu es de ta position. Mais elle ne peut jamais dire ton nom pour te faire. C'est-à-dire que tu dois douter de ton existence. Mal éduqué. Voilà un qui ne sait pas éduquer ses enfants. Et c'est que lui, là, ses enfants l'insultent à la maison, ainsi que sa femme. Voilà quelqu'un, chez lui à la maison, il ne porte pas la culotte. Sa femme l'insulte, ses enfants lui parlent mal. C'est lui qui lave la douche. Donc c'est toi qui peux cautionner ce genre de choses. C'est normal. Quand tu es le laveur de douche, pendant que tu as une femme et des enfants, là, tu peux cautionner ça. Ou bien, quand lui, ta femme ne veut pas mourir, toi, elle prend ses enfants pour venir dormir dans vos lits conjugal. Et puis toi, tu dois squatter le salon. Là. C'est normal que tu cautionnes ça. Regarde-moi ça. Mal élevé. Mais vous êtes mal élevé. Vous ne savez pas donner d'éducation. C'est vous qui êtes là, oui, on a des enfants. Quand on fait un enfant, il faut aussi éduquer l'enfant. On ne fait pas enfant juste parce qu'on sait, mougou. On ne fait pas enfant juste parce que Dieu t'a donné sperme. Tu dois éjecter ça quelque part. Tu dois éjaculer bêtement. Il faut faire enfant là, mais faut aussi donner une éducation. Il ne faut pas élever ton enfant comme un poulet. D'accord? Il faut l'éduquer. Quand on fait un enfant, on lui donne une éducation. Voilà. Il y a des bêtises qu'un enfant ne doit pas sortir pour dire. Il y a des insolences que l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. En plus, tu montes sur un live où il y a des milliers de personnes et tu manques de respect à une maman qui est assise dans la paix du Seigneur en train d'échanger avec ses abonnés comme d'habitude. Et ça choque personne. Ça, tout le monde trouve que ça, c'est normal. C'est la réponse de la maman là qui a vous choqué. Elle vous a raté. Il était moi là. Il est les poils blancs du pubis de sa maman là. Il va prendre ça avec les poils blancs du cul de son père. Je vais faire natter tresser avec. Je vais natter ça pour le donner. Comme ça, j'allais voir ce que vous allez faire. Père, c'est comme ça que vous êtes. Quand les gens provoquent là, ça c'est normal. Quand on donne la réponse, c'est pour nous là qu'on nous, on ne doit pas répondre. C'est-à-dire que nous là, on n'a pas de cœur. Si on vous demande là, c'est Valpierre qui coule dans nos veines. C'est pas ça. C'est du vin qui coule dans nos veines. Nous là, c'est pas du sang, hein. C'est du vin. Mais c'est lui qui lave la douche, Manu Alice. Tu as fouillé, tu as le trouver, tous ses doigts sont gâtés à force de laver douche. Il lave WC. C'est lui qui passe la serpillière. Quand un enfant a fini de manger, c'est lui qui débarrasse la table. Oui, avant d'aller se coucher, il doit s'assurer que toutes les assiettes sont propres, soient propres. Dans la cuisine, doit être bien nettoyée. Toutes les assiettes propres, cuillères, tout rangé. Tout le monde se couche après tout le monde, il se réveille avant tout le monde. Parce que le matin, il doit laver les enfants pour les déposer à l'école, les habiller, leur donner leur petit déjeuner, pendant que sa femme dort. Donc il peut cautionner ça. Il peut cautionner ça. C'est le genre de parents à qui les enfants disent ta gueule, et puis ça ne chauffe pas là. C'est le genre de parents à qui les enfants disent ta gueule, et puis ça ne chauffe pas. Au moment, ferme là, je regarde la télé. Quand on t'appelle ton enfant, Alice, quoi? Les enfants comme ça m'énervent tellement. Moi, j'ai fait mon enfant. Et puis, je vais t'appeler, tu vas me dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si tu pisses. Et puis, dans ton pipi, la crocodile sort dedans pour te mordre. Est-ce que vous comprenez même? Toi-même, tu as fait ton propre pipi. Hein? Et puis, dans ton pipi, la crocodile sort dedans pour te mordre. C'est pas ça qui est là. Je vais t'appeler, puis tu vas me dire quoi? Yeah, je vais t'engager d'une manière là. Non? Quoi là? Tu as plus savoir comment on prononce ni écrit. Yeah, je vais déplacer ta mâchoire. Parce que moi, il ne peut jamais rien, mon père ou bien maman, il va m'appeler, puis il dit quoi? Mon père, tu as lui dit quoi? Tu as lui dit ça une fois, pas deux. Un poulie, mal élevé, mal éduqué. Des petites cochonnes malades. Et vos parents vous éduquent mal, là. Revenez dans les lives, vous venez manquer de respect aux grandes personnes. On va vous allumer, on va allumer vos parents. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe même pas. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Et puis celui ou celle qui s'en prend la côte à mon chic, je l'allume. Voilà. Celui ou celle qui vient l'emmerder la pauvre dame, parce qu'elle est juste directe là, elle n'insulte pas quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui n'insulte pas quelqu'un sur la toile là, c'est la côte à mon chic. Elle est dans son game, elle fait sa comédie, elle fait rire à ses abonnés, elle essaie de s'ambiancer comme elle peut, elle essaie de les ambiancer dans la paix du Seigneur. Mais vous ne pouvez dire que ça fait combien d'années elle est sur la toile? Ça fait combien d'années? Sachez que si elle sort pour insulter maintenant là, c'est parce que les gens abusent. Nous, quand on est venu sur la toile, on n'est pas venu pour insulter quelqu'un. On est venu, on parlait dans les faits de société, on essayait de donner des conseils comme on peut, à notre niveau et tout ça. Mais quand les gens commencent à s'en prendre à toi bêtement, point oui, point non, tu vois dans les commentaires, les gens t'insultent, point oui, point non. Mais c'est révoltant. Ça révolte. Donc ça fait que maintenant, on est devenu virulent. C'est pas parce qu'on est né comme ça, hein. C'est à cause du comportement de beaucoup de personnes. C'est à cause de beaucoup de méchanceté que vous faites.
Non, celle-là, elle insulte qui? À quoi tu as mon chic? C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Moi, si on dit Yaka Yaka, mais on peut dire, lui, on le connaît. Il aime insulter les gens. Même si j'insulte sur ma raison. On dit, lui, on le connaît. Mais la quoi à mon chic, là, elle insulte qui? Elle insulte qui? Et puis, si elle est sortie de ses gangs pour une fois, vous allez faire comme si c'est son habitude. Arrêtez un peu votre méchanceté bête, là. C'est-à-dire votre hypocrisie, c'est-à-dire que vous voulez tout faire pour la démoraliser, quoi, la casser. Oui, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas gnénéné, elle n'a pas gnénéné. Mais quand elle donne conseil, elle a arrangé beaucoup de problèmes de foyer. Elle n'a pas d'expérience, hein. Mais quand vous avez vos problèmes de couple, là, vous courez dans son inbox. Qui a déjà pris diplôme de. Qui a déjà fait diplôme de foyer? Dans quelle école on s'inscrit pour aller apprendre à être en couple? Hein? Dans quelle école on s'inscrit pour aller apprendre à être en couple? Il n'y a pas d'école pour ça. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre pour donner conseil à des gens. Si tu es logique, que tu es une personne raisonnable et que tu es réfléchi correctement, là, tu peux donner des conseils. Moi-même, c'est parce que j'ai fait école pour donner conseil. Mais beaucoup de personnes trouvent que je suis de très bons conseils. Beaucoup de personnes rentrent dans mon inbox pour demander conseil. Même hier, il y a un jeune qui est rentré, un jeune qui vit en Allemagne. Il m'a appelé grand frère, vraiment, je sais pas, mais j'ai besoin de tes conseils parce que je suis en Allemagne, ça fait bientôt 10 ans, mais je n'arrive pas à économiser. C'est parce que j'ai fait école de choses. C'est parce que j'ai fait école de choses, gestion financière. Hein? Mais il est rentré, j'ai pris mon temps, j'ai causé à lui pendant au moins 45 minutes. Je lui ai expliqué un peu comment il peut faire pour économiser. Il lui a donné ma stratégie. C'est tout. Voilà. Il va revenir dans quelques mois pour voir si ça l'a aidé. C'est tout. C'est cette chose. Je suis en Allemagne, ça fait bientôt 10 ans. Je n'arrive pas à économiser. Quand j'ai un peu d'argent, voilà, je lui ai posé la question qu'il fallait pour savoir ce qu'il fait. Car s'il boit, s'il fume, s'il sort les week-ends, si. Voilà. Et puis par rapport à ça, je lui ai donné le conseil. C'est pareil, je travaille à la banque. Arrêtez d'emmerder les gens. Elle a loupé. Elle a raté. Demain encore, on a qu'à venir monter sur son direct pour dire que c'est mamie, c'est l'auto. Carrément, déjà, pourquoi tu changes d'humeur déjà? Déjà, pourquoi tu changes? Comme si c'est ta camarade. C'est-à-dire qu'elle ne la vous voit même pas. Pourquoi tu changes? Comme si elle s'adressait à. Comme si elle faudrait lui s'adresser à sa maman là. Donc, c'est comme ça, elle pense que tout le monde est sa maman dehors. Mon cœur est mal chaud. Il voit les commentaires, ils sont en train de l'insulter. Il dit, mais on est dans quel monde là? Une petite mauvaise, petite pisseuse. N'y en a fière au lit. C'est toi qui as venu me manquer de respect à la maman des gens. On te regarde et puis on dit non, que pourquoi? Pourquoi on t'a regardé? Fallait rester dans ton coin. Tu viens me poser question par rapport à quoi? Tu travailles, travaille pas là. Tu travailles au Pôle emploi. C'est toi qui donnes travail aux gens en France ici. Elle travaille pas là. Toi, tu travailles au Pôle emploi. C'est toi qui recense les chômeurs pour leur trouver une formation et du travail. For diet menu. N'y a rien fier là. Faut pas que tu allais apprendre tes leçons. Hein. Tes amis sont allés en colonie de vacances là. Tu es assise à la maison en train de te jouer les vieilles. Tes camarades sont allés en colonie de vacances. Tu n'es pas là-bas en train de t'amuser. Hein? C'est comme ça, ils font. Et puis à 13 ans, on les retrouve enceintes, vadies dans les escaliers chez leurs parents là-bas. Elle tombe enceinte et puis leurs parents sont obligés de camoufler ça. Tu la vois, hein, sa fille, aller à la boulangerie matin. Hein, Alice, c'est ma petite soeur. Voyez, sa maman était obligée de prendre l'enfant pour mettre son nom dessus, le nom de son papa. Parce qu'elle est tombée, elle est trop vite tombée enceinte. Ses parents ont été obligés de prendre l'enfant pour eux-mêmes. Maintenant, on les envoie ensemble à la boulangerie. Elles ont payé pain. Ça veut dire que c'est sa petite soeur. Pourtant, c'est sa fille. Elle vous a raté. À quoi tu as mon chic? Quelqu'un vient t'emmerder sur ton direct là. Choléka, comme toi-même, tu as la peine de le dire. Tu allumes la personne dans la paix du Seigneur. Celui ou celle qui n'est pas contente, c'est la même chose. Ça ne change pas. Ne venez pas provoquer. Ne venez pas l'emmerder. Voilà. Parce qu'elle, quand on l'insulte là-bas, là, sur les plateaux, on lui manque de respect là.
ça passe inaperçu. C'est comme si c'était normal. Ça ne vous dérange pas. Mais si c'est elle qui fait péter, tu dois vous charger ça. Voilà, elle a répondu à la petite insolente. Là, comment vous avez chargé ça? Pourtant, on lui a manqué de respect. Il y a même pas une semaine. Personne n'en parle. C'est comme si ça, c'était normal. On lui a manqué de respect pour rien. Tu fais une émission, on te présente des stars. Mais tu commandes pas avec. Tu commandes pas avec impolitesse. Moi, je dis, mon gars, il y a tout fait pour me faire inviter à cette émission-là. Je serai assis face à elle et puis on verra bien comment ça va se passer. Tiens, mon gars, bien là, j'ai tout fait pour me faire inviter à cette émission. Je vois les propriétaires de la chaîne. Ça n'a même pas passé par l'animatrice. Ça a passé par la direction directe. C'est eux qui décident qui vient sur le plateau. Et puis, il y a mes amants pour aller m'asseoir là. Et puis, on se regarde les yeux dans les yeux. Puis, on voit comment ça va se passer. On se parle. Mon gars là. Quand c'est mon chic qui fait un petit truc, c'est mauvais. Elle, on lui manque de respect, toujours ça chauffe pas. Hein? Vous allez faire cours de vacances. Une impolie comme ça, c'est si direct des grandes personnes, elle montre pour lui manquer de respect. Tu lui t'ennuies que tes parents n'ont pas d'argent pour t'envoyer en colonie de vacances. Là. Ils n'ont qu'à te payer au moins cours de vacances. Tu vas aller apprendre. Tu as beaucoup à apprendre. Impolie née. Même job, c'est vrai. Elles sont trop impolies. Si tu les vois, elles sont maquillées comme ça. Elles, les loulous rouges à lèvres. Elles font des teintes, elles badigeonnent ça sur leur visage. Tu les vois arriver, elles perruquent mal collées sur leur tête. C'est qui ça? Perruquent mal collées sur leur tête là. Si elles t'ont dépassé là, tu vas pas croire. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, mon vieux frère, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. C'est qui? Ouais, Yaka. Oui. C'est Alain Yapi, mon frère. Alain Yapi. Il y a longtemps, je. Oui, Yapi. C'est bizarre, mais je n'ai pas d'amis à tirer. Mais si, mais tu te rappelles une fois où on avait causé, puis je t'avais envoyé ma photo où il t'a un chapeau traditionnel. Ah bon? On a causé où? Oui. On a causé sur le WhatsApp. Ah bon, je me rappelle, je cause avec, il y a plein de personnes qui m'écrivent sur le WhatsApp, donc je n'ai pas de souvenirs. Ton vieux frère Alain, puis t'avais dit, mélanger à Thier là. T'avais dit quoi? Oui, il y a trop longtemps. Mais tu t'es venu en Côte d'Ivoire, mais moi j'étais au Ghana, j'étais pas là. Quand je suis arrivé, bon, j'étais là, oui, je suis parti. Ouais, okay. Vraiment, Noël. Je voulais t'appeler pour te saluer. Oui. Ah. Tu vois pas un peu le visage? Non, je vois pas. Ah, bon, mets la caméra, tu vas me voir alors. Je suis au bureau maintenant. De mettre la caméra. Mais je vois ta photo déjà, c'est bon. Je vois une photo, mais je vois plus. Je me rappelle pas, je n'ai vraiment pas de souvenirs. Non. Si on a causé bien, même une fois, on a échangé même des. Je t'ai dit, je t'ai envoyé ma photo. T'as vu tout ça là, ou juste en traditionnel, ébrouillé et tout ça là. Et puis je t'avais dit qu'un jour j'allais t'envoyer de la checker là-bas où tu es. Mmh. Et ça date de quand ça? Il y a très longtemps. Oui, je pense que c'est l'année passée, voilà. Ah, donc c'est à checker là qui devrait me faire retenir ça quoi. Mon frère, il y a quand même. Je ne sais pas où il a fait la checker là. Oui, je voulais te souhaiter mes condoléances, vraiment Yako. Merci. Par rapport au décès du vieux frère, vraiment Yako, vraiment je partage les douleurs avec toi. Merci. Vraiment désolé. Merci. Beaucoup de courage. Merci. C'est la grâce de Dieu, c'est tout de la main de Dieu. Voilà.
D'accord. Donc, c'est pour ça que je t'ai appelé, tout juste pour te souhaiter Yako. Ok, voilà. Merci en tout cas. D'accord, que Dieu te bénisse parce que tu as effectué toutes ces démarches-là. Ah bon? Oui, j'ai tout suivi. Vraiment, je te donne beaucoup de courage à toi aussi. Merci. Et surtout, pour ce que tu fais pour les gens, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Voilà. Bientôt, madame doit accoucher. Donc, je voulais te dire ça. C'est deux filles, c'est des jumelles. Ah, mais félicitations. Donc, si elle accouche nette, je t'envoie les photos. D'accord. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Amen, amen. Félicitations, en tout cas. D'accord. Voilà. Tu peux m'appeler, tu es mon frère. Hein. Okay. Tu peux m'appeler à n'importe quel heure que tu veux. D'accord. Voilà. Pas de problème. Merci, en tout cas. D'accord. Bonne d'accord. journée. Bon après-midi. D'accord, merci. Bon après-midi à toi. Merci à toi également. D'accord, au revoir mon frère. Au revoir. Il n'a aucun souvenir de lui là. Il est que lui voulait m'envoyer à checker. Donc, à cause de la checker là, je devrais retenir. Tellement il est fin. Kadi la beauté, merci pour les cœurs. C'est l'anniversaire de qui? C'est pas mon anniversaire. Hein? Il ne fête pas mon anniversaire plusieurs fois dans l'année. Je suis né une seule fois.
Bachari, je suis arrivé au boulot. Je vous aime bien, mais je me préfère. Voilà. Je vais aller justifier mon salaire. Tu connais la bonne musique? Ah oui, Haruna Ouattara, j'aime beaucoup la bonne musique. Voilà. Et tu me vois écouter une musique, arrête-toi et écoute avec moi, tu vas kiffer. J'aime trop la bonne musique. Voilà, je suis arrivé au boulot. Je vais courir dans les vestiaires, me changer. Et puis aller faire ma prise de service dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc prenez soin de vous et puis foutez la paix à la coach à mon chic. D'accord? Laissez-la tranquille. Voilà. Un enfant monte, lui manque de respect, elle le remet à sa place. Parce que sa fille Tracy, elle ne va pas manquer de respect aux gens, aux grandes personnes. Donc on n'a pas à lui manquer de respect. Carrément, quand tu changes d'humeur déjà, pourquoi? Elle peut demander ça à ta maman. Au cancan zrelé. Bon. On va descendre au sous-sol. On va se garer dans la paix du Seigneur, donc ça va se couper. Yo. On se regarde.